Salut à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour Super Smash Bros. Melee, un jeu de 2001, sorti en 2001-2002 sur GameCube. Il est sorti en 2001-2002 en France, hein, sans doute. Donc je vais vous parler d'abord des modes, des différents modes. Bon, là c'est Data, c'est bon, ça sert à rien, ça sert pas à grand chose. Ça c'est par exemple pour juste montrer comment jouer. Voilà, au moins ça vous montre vraiment les bases. On va pas s'attarder là-dessus puisque je vais vous montrer comment jouer juste après. Les paramètres du jeu, eh bien les paramètres, bah moi j'ai jamais touché, hein, j'ai laissé comme c'était, la langue français, voilà. Même si on dirait pas que c'est en français parce que vous voyez bien que l'écriture là c'est vraiment en anglais, donc je comprends pas, mais bon c'est pas grave, c'est sous-titré en bas en fait. Vous voyez qu'on peut bouger avec le stick C, bon c'est juste pour le fun, on peut bouger le menu comme ça, ça nous montre que c'est à moitié en 3D, hein. C'est pas mal, un petit effet 3D. Le VS mode c'est pour jouer à deux joueurs, on peut faire mêlée à 2 ou 4 joueurs bien sûr, hein. De 2 à 4 joueurs. Ou même on peut jouer que à un joueur, c'est pour faire juste des matchs comme ça. Bon, vous voyez que j'ai débloqué tous les personnages. C'est tous les personnages de Nintendo, hein, issus de l'univers Nintendo bien sûr. Enfin, pas que de l'univers Nintendo, mais des jeux faits que par Nintendo. Par exemple, je sais pas, Samus de Metroid, Marth de Fire Emblem. Roy, je sais pas, mais je crois qu'il vient de Fire Emblem, mais je le connais pas. Mr. Game & Watch, lui, c'est pas un personnage de Nintendo, mais bon, c'est un petit clin d'œil, quoi, en gros, aux vieilles consoles Game & Watch. Les petites Game Boy qui étaient pas terribles, quoi. Avant la Game Boy Color. Et la Game Boy tout court. Pikachu, bah voilà, hein, on va pas trop vous montrer tous les personnages. Hein. Il y a Link, pour être la jeune of Zelda, bien sûr. Donc voilà, on quitte. Ness, c'est l'un des seuls personnages que je connais pas, avec Capitaine Falcon. Capitaine Falcon, je pense qu'il vient d'un jeu, je sais plus comment ça s'appelle. Blue Falcon, un truc du genre. Si ça, Blue Falcon, c'est son vaisseau, je pense, oui.
Et sinon, le jeu, je m'en souviens plus. C'est un jeu qui est sorti sur GameCube, mais il y en avait même avant sur Super NES aussi. Il y en avait un sur Super NES. Sur Nintendo 64, j'en sais rien. Donc NES, lui, je le connais pas du tout. Je sais pas d'où il vient. Et c'est le personnage le plus nul du jeu pour moi. Je vous l'ai déjà dit dans Super Smash Bros. Brawl. Mais bon, là, je vais vraiment plus vous expliquer en quoi consiste Super Smash Bros. Parce que dans le Super Smash Bros. Brawl, on n'avait pas trop expliqué. Hein. C'était plutôt du freestyle. Je vous avais juste montré le mode tournoi et voilà. Oui, un mode tournoi aussi hein, dans Super Smash Bros. Melee. Hein. C'est pas la création de Brawl, non. C'est il y avait déjà un mode tournoi avant. Donc là, on choisit le nombre de combattants. Ce qui est bizarre, c'est qu'on peut mettre 64, hein, le double de Super Smash Bros. Brawl. Dans le Brawl, c'est 32. Mais par contre, quand on est plus de joueurs, hein, plus de 2, on peut pas en mettre plus de 32, je pense. Donc c'est bizarre quand même, ce truc. Sinon, là, on met le nombre de d'humains ou de CPU. Bon, là, c'est un peu plus arrangé. Enfin, je trouve que c'est encore mieux que le menu de la Wii. Parce que sur la Wii, fallait tout sélectionner là en CPU et puis après tout sélectionner en joueur, c'était super chiant. Enfin non, tout était mis en joueur, donc fallait tout sélectionner en CPU. C'était super chiant alors que là on a juste besoin de voilà faire ça. C'est beaucoup plus simple. Stage de sélection, bah ça c'est pour bah, choisir les stages. Bah choose all c'est mieux. Hein. Ou random au hasard quoi. Single random. Random, bah, au hasard, le niveau du CPU, le niveau de l'IA. Bon, il y a toujours 9 niveaux, hein, toujours. Puis après, bah, c'est bon, hein, ok, là on est prêt. Enfin, même si il n'y a pas de joueurs, on peut pas jouer à un seul, je pense. Ou peut-être, mais bon, ça doit pas être terrible. Ah, si, aussi pour. Attendez. Pour le tournoi. Merde. Ce qui est chiant, c'est qu'il faut rester appuyé sur B pour. Mettre précédent alors qu'il faut alors que d'habitude normalement faut juste appuyer une fois sur B c'est bon. Ah si bah je peux jouer tout seul mais voilà on va faire un tournoi vite fait. Au début je croyais que pour choisir les persos c'était ça donc il y avait pas tous les persos c'est bizarre mais non en fait là ils mettent les CPU hein, s'il fallait bien regarder l'IA quoi. Et donc nous on est HMN0 donc on peut choisir notre perso comme ça en appuyant sur A. Bon, c'est assez mal foutu hein, comparé à sur Wii. Donc, il y a quelques trucs sur Wii qui sont mieux faits que le menu dans bah, sur la GameCube au niveau des tournois. Mais il y a aussi le contraire, bien sûr. Vous voyez, le jeu est très fluide. Ça me rame pas du tout. Bah, comme sur la Wii d'ailleurs, mais. Et graphiquement, pour un jeu de 2001-2002, ça pète. On avait juste avant, comme Super Smash Bros. On avait Super Smash Bros sur Nintendo 64 et c'était vraiment moche. Alors que là, franchement, on voit les personnages, ils sont super bien faits, bien réalisés. Il y a juste les textures en bas qui sont assez ignobles, mais bon, c'est un jeu de 2001-2002, on était au tout début de la GameCube. Ah. Et on voit que Kirby a fait un espèce de suicide. Je pense que je mettrai ça à un best-of, hein. Ça sera peut-être pas mal. Ah vous voyez, et puis Kirby quand il nous avale, il prend notre pouvoir, hein. il prend que juste une attaque hein, de chaque combattant, quand il avale un des combattants, par exemple pour Samus, il a un petit pistolet je crois, donc il peut tirer, ah bah il nous l'a refait, c'est vraiment un big boss Kirby. Oula. Donc, comme vous voyez, je me fais de plus en plus défoncer parce que mon pourcentage est plus élevé, plus le pourcentage est élevé, plus je suis dans la merde. Et on pourrait croire que c'est le contraire, au début, à 0, on est dans la merde. Pour ceux qui ne connaissent pas trop les Super Smash Bros. Donc c'est assez c'est spécifique à Super Smash Bros, hein, les pourcentages. Je pense qu'on vous en a déjà parlé dans Super Smash Bros Brawl, mais bon, pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo. Je sais pas. Et aussi pour les mouvements, car ça je vous en ai presque pas parlé avec Fireflav. Pour les mouvements, bah, on appuie sur R pour se protéger. Voilà, et pour esquiver, on balance de droite à gauche le joystick. Je me suis défoncé. Et puis pour esquiver, bah, aussi vers le bas,
le joystick, et ben ça fait une petite esquive, hein. Bon, c'est pas bien méchant, c'est mieux de faire à droite ou à gauche, hein. Mais bon, c'est pour que ça fasse plus style, pour qu'il y ait plus de fun. Victory! Ouais, vous voyez, j'ai gagné. Maintenant, c'est la finale! Bon, là, c'était vraiment un exemple, hein, puisqu'on a fait vraiment un petit tournoi, hein, c'était rien du tout. Tiens, je suis contre un niveau 9, hein, on a vu le niveau. Je sais même plus quel niveau j'ai mis, peut-être que j'ai mis niveau 9. Hein. En tout cas, Kirby n'était pas très fort, hein, pour un niveau 9. Je sais pas, mais... Je le défonçais un peu. Ah, vous voyez, par exemple, là, je l'ai attrapé, mais je vais vous montrer... Je vais plus vous montrer ça en détail après, pour les chopes. Car on peut choper nos ennemis, nos adversaires. Je sais pas si on en a fait dans Super Smash Bros. Brawl. Bah si, sans doute, hein, des fois ça devient un réflexe. Mais bon, on vous a pas expliqué ça. En tout cas, Fireflav ne peut pas expliquer car il ne s'y connaît pas du tout en jeu de combat. Merde. En très peu de jeux d'ailleurs, à part les jeux de sport, je pense. Les jeux de quelques jeux de stratégie, hein. Enfin, quoique, je dis ça, mais il n'est pas très fort à Rome Total War. Merde. Je pense que là, c'est... Je me fais un peu défoncer. Ah, et aussi, on peut transpercer carrément les plateformes en faisant vers le bas. Les petites plateformes qui sont pas très grosses, hein, parce que... Par exemple, je sais pas, moi... Merde, j'arrive pas à monter, c'est très dur, voilà. Par exemple, ça, on peut pas transpercer, hein, je pense pas. Non, c'est un peu épais. Mais les plateformes vraiment fines, comme ces plateformes... purée, comment on bouge, là. Ah, vous voyez, les animations sont vraiment pas mal. On voit Mario en train de souffrir. Oula, pas mal de bugs qu'ils ont corrigé, hein, dans Super Smash Bros. Brawl. D'accord. Bon, j'ai perdu, mais normalement Zelda n'est vraiment pas difficile à battre. Même si je l'ai mis au niveau 9 quand même. Purée. Bon, en plus on est à un endroit où même si on la défonce complètement, elles veulent pas trop. Ah voilà. Bon, je disais qu'elles volaient pas trop, mais ici elles volent, mais voilà. Oh non, ça va être égalité, c'est ça? Ah, j'aime pas ça. C'est le stress. Ah voilà, bon, au moins ça vous montre quelque chose de plus. Je peux vous montrer quelque chose de plus. Voilà, le mode égalité. Donc quand on est à égalité, ils nous mettent carrément, bah... Voilà, ça, ils nous remettent dans le match à la fin. Sauf que on est... méga affaibli, on est à 300%, donc bah en gros c'est le premier qui est touché a gagné, non a perdu, le premier qui touche, le premier qui tape a gagné. Mais aussi le mode un joueur, régular match c'est juste plusieurs niveaux classiques, voilà. Le mode All Star c'est bah vous voyez, hein, battez vos ennemis avec un nombre limité de soins, voilà, c'est battre en fait tous les ennemis, enfin tout, je sais pas, moi je vais prendre Luigi car Luigi c'est un beau gosse. On va peut-être d'ailleurs vous faire, je sais pas, mais pour l'instant on n'a pas beaucoup de vues de Luigi's Mansion, en tout cas quand je suis en train de faire cette vidéo, dans les 17, hein, un truc par là. Donc si ça fonctionne bien les Luigi's Mansion, si y a pas mal de gemmes et tout ça, eh bien, je pense que nous allons continuer les vidéos de Luigi's Mansion, car avec notre invitée Caroline, car franchement, ce sera vraiment pas mal. Je pense qu'on s'amuserait pas mal dans ce jeu-là, voilà. De le refaire pour la 9e fois, d'après Caroline. Ça ne la dérange pas trop. Bon, voilà, c'est là. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas autant défoncé quand on est à 50%. C'est parce que non, là on est dans le mode All-Star et j'ai mis en facile. Donc voilà ce que ça donne. Donc faut combattre à l'affilée tous les personnages de ce jeu, quoi. Merde. Je vais être défoncé par la bombe. Pas tip-top. Surtout que Luigi, lui, il a une résistance très faible. Enfin, il se fait défoncer et pouf, il vole vraiment super loin, quoi. Moi aussi je vous ai pas parlé exactement de tous les trucs à faire.
Voilà, par exemple, j'ai esquivé son attaque, voilà, avec R, et sur le côté, à gauche ou à droite, avec le joystick. Pour balancer la Pokéball, ou un autre objet, hein, là, il y a Bulle Bizarre qui est sur le terrain, attention, ça rigole pas. Hein. En plus, c'est vraiment des modélisations 3D, hein, les Pokémon. Hein. C'est vraiment impressionnant. Et après, on a le score, mais bon, ça, c'est inutile. Donc, voilà, voilà, par exemple, je vais pas prendre des cœurs parce que ça nous donne toute notre vie, mais bon, comme on n'en a que 3 des cœurs, vaut mieux les garder. Là, la plupart des personnages, ils font un petit combo quand on reste comme ça, quand on fait rien, et qu'on appuie que sur le bouton A. Luigi fait 3 coups, 2 coups de poing, un coup de poing droit, je pense. Non, un coup de poing du poing gauche. Enfin, il est tellement rapide. Oui, du poing gauche. Et après, un coup de poing du poing droit. Et un coup de fesse. Regardez la magnifique animation. Hein. On va montrer de l'autre côté. Ça fait plus classe. Sachant que dans cet épisode, je pense pas qu'ils aient trouvé le doubleur de Luigi. Donc en fait, Luigi, si vous entendez bien, par exemple quand je saute, il a vraiment la voix de Mario, mais en plus aiguë. Donc ils ont sans doute mis la même voix que Mario. Mais voilà, ils ont mis en plus rapide ou plus aigu, quoi. De façon à que ça soit plus aigu. Donc c'est vraiment la même voix que Mario, donc c'est assez étrange. Bon, au moins, après, dans Super Smash Bros. Brawl, bah, Luigi avait sa propre voix, voilà. Mais dans Melee, voilà, il a la voix de Mario, quoi. En plus aigu. Et donc après on peut se baisser, hein. Bon, il se met en mode garde même s'il se protège pas trop. Enfin, quoique, quand quelqu'un nous défonce, il nous défonce quand même un peu moins quand on est comme ça. Et quand on appuie sur A vers le bas, il fait son petit coup de pied comme ça. Si on fait juste vers le haut comme ça, il fait un gros coup de poing, bah Mario lui c'est un gros uppercut. Lui c'est, bon je sais pas ce que c'est, un coup de poing maladroit on va dire. Voilà, sinon... Si on fait A et le stick directionnel haut en même temps, il fait ça. Stick directionnel à gauche ou à droite et A en même temps, ça fait ça. Je te passe une assiette. Attends, je te passe une assiette. Bon, c'est vrai qu'on dirait un... On dirait qu'il sert les gens. On est dans un restaurant, là. Ça fera classe comme ça de servir les assiettes. Yeah. Bah déjà, c'est une très bonne attaque. À la place, lui, Mario, c'est, vous savez, hein, si vous avez vu Super Smash Bros. Brawl, ou même si vous m'avez vu jouer juste avant, là, avec Mario, eh bien, il fait une grosse attaque, une espèce de boule de feu, quoi. Attends, mais comment ça fait qu'il crève pas? Attends, je lui ai envoyé une bombe en pleine gueule. Et voilà, je l'ai défoncé, c'était très facile. Bon, on va quand même se soigner. Sinon, pour les attaques spéciales, bien... Ah, il y a aussi cette attaque-là, hein, A vers le bas, qui est pas mal. Bon, vous avez compris le principe, hein. Il n'y a pas beaucoup de boutons, hein, d'attaque, parce qu'après, il y a X et Y qui prennent les boutons de saut. Donc, bah, il n'y a pas beaucoup de boutons d'attaque, hein, pour tout vous dire, il n'y en a que deux. Le bouton B et le bouton A. Bouton B pour les attaques spéciales et bouton A pour les attaques bah, normales. Moi, je fais la plupart du temps, je fais que des attaques normales, puisque les attaques spéciales ne sont souvent pas très puissantes. Enfin, en tout cas pour celle de Luigi. Là, par exemple, j'ai pris le marteau, hein, très grand clin d'œil du premier Mario, là, Mario contre Donkey Kong, la première apparition de Mario sur Atari. Mais après, ils ont fait une nouvelle version sur NES, qui est largement mieux faite. Je vous conseille la version NES, parce que... Sur Atari, Donkey Kong ressemblait à un tas de pixels. Et donc, sinon, bah, on peut se retourner aussi rapidement avec le bouton A. Donc voilà, tout est question de direction, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'attaques à choisir, hein, beaucoup d'attaques différentes. Mais tout est question de direction. Parce que sans direction, bah, le jeu, on peut faire que ça avec les boutons, quoi. Donc voilà, bouton spécial, c'est il lance sa petite boule de feu. Vers le bas, il fait ça. Avec la superbe animation. Wow, super, quoi.
Sinon on peut se la péter, lui il donne un coup de pied comme ça, on dirait qu'il se fait chier. Attends, peut-être qu'on voit mieux de ce côté. Voilà, il s'ennuie. Surtout que ce qui m'a fait marrer, c'est que ça peut faire mal à un adversaire. Le petit coup de pied comme ça, c'est assez con. Je vous montrerai peut-être, ouais. Puisque là je suis en facile. Il reste le bouton spécial sur les côtés. Bah, il fait sa fusée, boum. Il fonce comme ça sur son adversaire. Une fois sur deux, il fait sa grosse fusée, c'est-à-dire là, il fait une petite. Mais on peut la recharger. Donc après il fait une grosse, enfin même si là je me suis pris la caisse, mais c'est pas grave. Là j'ai pris l'étoile. Sachant que l'étoile on peut la diriger, hein. Là je l'ai dirigée vers la gauche pour qu'il aille sur Capitaine Falcon. Sinon elle sera restée bah, là où je l'ai prise quoi. Donc voilà la fusée. Non, Luigi se prend pour une fusée. Il y a une fois sur deux, ou non même une fois sur dix on va dire. Et bien il fait d'un coup une grosse fusée, enfin il explose donc il va super loin. Donc faut faire gaffe à ça. Mais aussi le bouton B en haut pour presque tous les personnages du jeu. C'est le bouton pour se rattraper, hein, pour faire un saut, un troisième saut. Parce que premier saut X, deuxième saut encore X, et puis après troisième saut B en haut. Donc voilà, je crois que je vous ai un peu près tout expliqué. Maintenant, et bien, tout est question de décors, c'est vraiment magnifique. Les décors sont quand même très beaux pour un jeu de 2001. Bon, c'est pas non plus, mais c'est un jeu quand même qui est assez impressionnant comme Star Wars n'est pas si incroyable que ça. Là où un arc-en-ciel c'est vraiment beau. Et voilà, the winner is Luigi. Donc vous voyez beaucoup de trucs, hein. Mais attends, je vais plutôt quitter, hein, pour vous, parce que vous connaissez maintenant le mode All-Star. Classique. Alors le mode classique c'est à peu près la même chose, hein, sauf que c'est fait beaucoup plus basique. Bon, je prends Bowser. J'adore Donkey Kong, mais là je l'ai pas pris. Bowser c'est un personnage vraiment imposant, regardez-moi sa skin. Franchement la plupart de la skin souvent de Bowser sur les Super Smash Bros, j'ai l'impression qu'ils l'ont fait avec un autre moteur, parce que franchement il est pas du tout fait pareil que dans les Mario 3D. Il fait beaucoup moins enfantin là, il fait beaucoup plus bah il en impose quoi. Un peu moins, il en impose un peu moins je trouve dans les Mario 3D. Bon, par contre là il n'en impose pas trop avec le parapluie, hein. Ça le fait pas. Attends, je vais monter si j'y arrive. Bon, parce que c'est un personnage très très lent. Donc là oui, le mode classique c'est bah voilà, un mode classique, on combat tous les autres enfin pas tous les autres combattants mais quelques-uns cette fois-ci. C'est le premier mode qu'on a, hein. On a aussi le mode aventure en même temps. Vous allez voir ce que c'est une spécificité de ce mêlée. Car avant il n'y avait pas le mode aventure sur Nintendo 64 si je me trompe pas. Voilà, petit clin d'œil, même gros clin d'œil plutôt, à Majora Mask. Vous avez joué à Zelda Majora Mask avec la lune au bout. Vraiment, il n'y a que des beaux stades, hein, dans ce Super Smash Bros. Melee. C'est vraiment l'un des meilleurs jeux de la GameCube, hein, ce jeu là. Car oui, bientôt je vais faire un... réussir à... désolé pour cette mini coupure, j'ai été un peu dérangé. Oula, c'est la classe. Bon, je voulais vous montrer un peu ce mini jeu, mais voilà, c'était magnifique. J'en étais à où, parce que avant quelqu'un m'appelait et maintenant je sais même plus où j'en suis. Ah oui, sur le mode classique. Donc voilà, le mode classique il propose des mini-jeux en même temps aussi. Ah, et aussi des combats spécifiques comme Luigi géant par exemple là. Bon, et si j'avais pas gagné un seul personnage, il y aura pas Luigi par exemple, là ce sera Mario peut-être à la place.
Voilà, un autre mini-jeu. Bon, lui, il est assez moyen. C'est pour avoir des trophées, celui-là. Donc, un trophée qui va là. Je vais le pousser un peu. Si j'y arrive. Ah oui, j'ai eu les deux, quand même. Ah, et j'ai réussi comme un dieu. Voilà. C'est pourtant assez difficile, mais... Quand on a un perso aussi fort que Bowser... Difficile devient facile. Et voilà, là, un gros clin d'œil de Star Fox, hein, avec son vaisseau. Sachant qu'il y a deux stades de Star Fox. Il va y avoir un autre. Là, par exemple, il faut avoir beaucoup de minigame et watch, là. Easter game et watch. Sauf que ils ont une résistance de merde. Heureusement, parce qu'ils sont assez nombreux. Faire n'importe quelle attaque, même juste cracher des flammes, et puis c'est bon. Ils volent. Ça, c'est... ah oui, ça, c'est assez marrant. C'est un espèce de... parcours. De parcours du combattant. Faut aller le plus vite possible, sachant qu'on a très peu de temps, hein, vous voyez, que 40 secondes. Purée. Mais bon, c'est... comme j'ai Bowser, je vais pas aller très loin. Là, il y a trois embranchements disponibles, et souvent je prends celui-là, parce que c'est plus simple. Pour avoir plus de pièces, car les pièces sont très importantes dans le jeu. Même si là, ça me sert pas à grand-chose, car j'ai tout gagné. Voilà, là, il faut que je réussisse. Et merde. Bon, vous voyez, c'est vraiment... avec Bowser, c'est super chaud. J'aurais dû m'arrêter, parce que comme ça j'aurais gagné les pièces et tout ça. Parce que j'aurais pu m'arrêter avant, là. Mais bon, c'est voilà une petite petite phase de plateforme dans un niveau quand même assez moche, mais bon. C'est peut-être fait exprès, les polygones et tout ça. Hein. Bah oui, c'est un effet comme ça. Ça, on dirait, ça fait la même chose que la Super NES dans Star Wing, là. La Super NES qui faisait de la 3D. Pour la première fois. D'accord, je suis complètement viandé. Alors qu'il est super facile à battre. Bon, oui, presque tout le jeu est en anglais, je comprends pas pourquoi. Même pour les PV, au lieu de PV, on a HP. Mais bon. On a quand même la version française, donc voilà. Donc on a le droit à la version du pauvre, quoi. Pâle. Non, je rigole, sauf que là c'est bien puisque on peut quand même mettre en 60 Hz, donc c'est très bien. Ah, et il n'y a plus rien. Et par contre, le truc qui est chiant à la fin, c'est qu'ils nous font une espèce de générique là, à 2 balles, donc voilà. Enfin, ils ont voulu que ce soit assez original, mais bon. Voilà, on tire sur les écritures. Mais en fait, on tire sur les développeurs, oui, c'est ça en gros. On tire sur leur nom, c'est très sympathique. Bon, moi je préfère aller vite fait, tiens, Nintendo à la fin. Et voilà, après ça met combien de hits on a touché, quoi. Combien de fois on les a touchés. Et le magnifique skin de Bowser. Et voilà, des petites images assez marrantes à la fin. Quand on finit le mode classique. Sachant que après... quand on fait le mode classique, après on a déjà on a le mode training là, affûtez vos talents. Enfin bon, bref, il y a tellement de choses à montrer, mais ça on s'en fout. Le mode training, je m'en suis jamais servi pour tout vous dire. Je me suis entraîné en fait dans le mode classique, moi. C'est où les trophées? Collection, voilà, toute la collection de trophées. Donc, ça rame à fond. C'est peut-être parce que j'ai beaucoup de trophées. Voilà, tous les trophées. Vous voyez. Petit clin d'œil de Paper Mario, pas mal de choses, il y a même la Nintendo GameCube. Et oui, il y a même la description de la Nintendo GameCube. Même si c'est pas une description incroyable, hein, de 5 lignes, je pense. Donc ils sont pas trop foulés. Et il y a 10 000 Pokémon, hein, c'est le truc qu'on voit le plus souvent. Hein. Le petit Luigi, hein, tout à gauche. Oh, t'inquiète pas, on va bientôt faire Luigi's Mansion. Et
Et voilà, une Bilbo, le géante. La lune dans The Legend of Zelda Majora's Mask. Bon, la cible, une très grande référence. C'est incroyable. Au premier Super Smash Bros. La cible. Le grand méchant dans Star Fox, je ne me souviens plus de son nom. Est-ce qu'on peut plus zoomer? Non, non. Et même on voit Fox juste devant qui lui donne un gros coup de pied en faisant un salto arrière, un retourné acrobatique. Incroyable. J'ai l'impression qu'ils ont fait exprès de le placer ici, hein, sérieusement. Bon, il a la description de tous nos héros. Sachant que... je vais peut-être le trouver. Il y a un personnage qu'on ne peut pas débloquer mais qu'on peut combattre. C'est assez spécial par contre comment le combattre. Enfin comment le trouver. Vous allez voir. Moi j'ai son trophée parce que je l'ai battu. Par contre il faut que je le trouve. Je vous dis pas le nom, vous allez le savoir. C'est bon. Je sais pas où il est. Bon. Petit indice, même si vous allez tout de suite le savoir, puis quand je vais le dire, c'est le pire ennemi de Mario. Mais où est-il? Eh bien je le trouve pas. Ah si. Giga Bowser! Mais oui, Bowser est encore plus gros comme ça. Et je vais aller de suite faire le mode d'aventure pour vous montrer Giga Bowser dans toute sa splendeur. Il faut réussir à faire le mode aventure. Enfin non. Je vais peut-être pas le faire dans cette vidéo. Je vais faire une coupure et puis je vais vous faire ça en voix off. Hein. Parce que bon, on n'a pas trop le temps là. Donc pour l'instant, je vous montre ça. C'est des différentes missions qu'il y a à faire. Par exemple, combattre Bowser dans une lutte titanesque, roi de l'embrouille 1. Parce qu'il y aura un deuxième roi de l'embrouille. Sauf qu'il est bien plus dur après. Voilà, vous voyez, c'est... on combat Bowser, j'ai l'impression qu'il est mis au niveau 1. Voilà. Voilà, c'est une mission très intéressante. Hein. On combat vraiment contre... c'est vraiment une lutte titanesque. Vous voyez? Ah si, comme ça, je vais pouvoir vous montrer... merde! D'accord. En fait, la mitrailleuse, elle est tout de suite plus là. Elle a disparu. Bon, c'est la première fois que ça me fait ça. Mais bon, vous avez pas vu... on peut prendre des armes, quoi. Seigneur de la jungle, par exemple. Un duel épique. Quel sera le singe le plus évolué? Nous, on est géant. Tandis que l'autre est petit, donc on a du mal à le toucher. Mais bon, c'est quand même plus facile pour nous, car on est quand même géant. Alors que lui, il est petit, et souvent, quand on est petit dans Super Smash Bros, on est plus dans la merde qu'autre chose. Sauf que la spécificité de cette mission, c'est que même si on le défonce énormément, normalement, quand il est petit, bon, là, on fait un petit coup, pouf, il vole. Mais comme là, on est dans un mode mission, et bah, c'est différent. C'est un peu différent, les dégâts. Même lui, il nous défonce même autant que nous. Donc voilà, pour tout vous dire. Et voilà, avec Donkey Kong, on peut charger le point pour qu'il soit incroyablement puissant. En appuyant sur B. Énormément d'attaques différentes, encore une fois. Et même en plus, souvent quand ça décrit les personnages, dans le mode trophée, bah, ça nous dit quand même quelques trucs, hein, quelques petites astuces. Où ça nous décrit très bien le personnage, par exemple Bowser, ça nous dit qu'il est bien lent mais qu'il a des attaques très puissantes au corps à corps. Donkey Kong lui est très puissant, il est à la fois très puissant et très rapide, enfin très rapide, assez rapide. Au Girl Power, un groupe de femmes fatales vient vous rendre une petite visite par exemple. Je sais pas, moi je vais prendre Yoshi, même s'il est pas très fort, hein. Yoshi est un personnage très faible, je trouve. Bon, il est pas non plus aussi pourri que Ness, mais bon, c'est... le petit Yoshi, quand même, moi j'aurais cru qu'il serait plus fort. Un peu difficile au niveau de sa force, quand même. Qui est assez pourri. C'est le seul truc où je suis déçu, en fait, de ce jeu. Ah, merde! Car franchement, ce jeu-là surpasse en tout point l'autre
Super Smash Bros, hein, le premier, hein, Nintendo 64, qui était d'ailleurs, au niveau de tous les trucs qu'il y a, bah, c'était très moyen, il n'y avait pas beaucoup de choses à faire, alors que là, il y a plein de missions en plus, et plein de nouveaux trucs. Par exemple, normalement, au tout début, je crois qu'on a 10 missions, un truc comme ça, 10 niveaux. Alors qu'après, bon, on les débloque au fur et à mesure, en les faisant ou en faisant d'autres trucs. Et puis à la fin, quand on les finit tous, eh bien on a le niveau 51 où on combat à la fois Giga Bowser, Mewtwo et Ganondorf. Tous réunis. Bon, je pense pas que je vais gagner, hein, c'est super chaud cette mission. C'est au bout de là, je sais pas combien de fois que j'ai réussi. Bon, voilà. J'avais réussi même avec Luigi, j'avais une petite technique pour Giga Bowser, vous voyez, regarde, j'attaque toujours comme ça, en volant, merde, comme ça les deux autres ils peuvent pas me voir avec leur boule de feu ou leur je sais pas quoi. Mais c'est vraiment chaud parce que je pense qu'ils sont mis au niveau 9, hein, tous les ennemis là, donc c'est quand même assez hard. Là vous voyez, je viens de défoncer Giga Bowser, c'était assez beau, merde. Bon, je vous ai dit que j'allais montrer Giga Bowser dans la vidéo après là en mode aventure, mais en fait j'ai pas trop besoin parce qu'il est déjà là. Ou quoi que si, je le montrerai quand même, parce qu'il est quand même bien différent. Il est bien plus difficile à battre dans le mode aventure que là. Parce que là, regardez, vous voyez que franchement il se fait défoncer au bout du deuxième coup, quoi. C'est pitoyable du grand Giga Bowser. Il est super léger, c'est qui est bizarre. C'est le plus léger des trois. Alors que normalement ça doit être le plus lourd, je sais pas. Voilà, je l'ai tué je pense. Ah non, il lui reste encore une vie. Oui. Merde. Bon, je me suis fait voler. Bon, après quand il reste plus Giga Bowser, je pense que c'est beaucoup plus simple parce que lui il a vraiment des attaques au cac qui font vraiment mal. Jack Bowser tout court, ça fait vraiment mal alors. Giga Bowser. Ouais, je pense qu'il va enfin mourir. Toujours pas. Bon, le problème c'est qu'il vole bien dans les airs, mais après il veut pas mourir. Bon voilà, il ne reste plus que c'est les deux Zigoto. Mewtwo et. Je vois pas ce qu'il fout là, Mewtwo d'ailleurs. Mais bon bref. Il reste Mewtwo et le grand Ganondorf. Par contre, ils ont bien fait de le mettre Ganondorf car c'est le grand méchant lui. Pour moi, le méchant le plus impressionnant, quand même. Merde. Un méchant qui a de la carrure. Que Mewtwo, bon, il fait un peu pitié, lui. Je suis pas trop Pokémon, moi. J'aimais bien avant, mais... C'était du passé. Et je pense qu'ils vont enfin voler, là. Vous voyez, ils sont quand même beaucoup plus résistants que l'autre. Que Giga Bowser. Oui. En plus, il fait assez souvent Ganondorf son attaque de la mort qui tutou. Il fait souvent des grosses attaques. Voilà, celle-là, par exemple. Shrim. Voilà, c'est vraiment un combat hard quand même. Je me débrouille plutôt bien quand même. J'ai cru que j'allais faire pire. Franchement, vous voyez que quand on fait valdinguer Giga Bowser, quand même, après, on est quand même plus tranquille. Même si c'est quand même toujours hard. Il faut toujours valdinguer en premier Giga Bowser. Regardez, Luigi. Je pense que Luigi, c'est le meilleur personnage pour se rattraper, hein, parce qu'il fait sa fusée. Ouais, je me suis fait défoncer par une bombe à deux balles qui est arrivée je sais pas où. C'est toujours comme ça qu'on se fait avoir, c'est n'importe quoi. Donc voilà, après All-Star, Match Deluxe, Dr. Mario, Falco, Ganondorf, Froy, Link, Enfant et Pichu. Donc on combat eux d'affilée, quoi, par exemple. Ou à destination finale, vous connaissez déjà Créamain, celle que je viens de battre, là, le gros gant, là, qui est du tout ma boule. Voilà l'autre gant. Donc là, on combat l'autre gant qui est encore plus ma boule, d'ailleurs. Par la même occasion. Voilà, l'autre grand, c'est celui de gauche. Je sais plus comment il s'appelle, l'autre.
Superman de la mort qui tue tout, j'en sais rien moi. Et l'autre c'est Créaman, voilà. Bon, ça montre tout de suite qu'elle est plus ma boule, hein, vu ce qu'elle fait. Et elle est un peu plus hard. Et on la rencontre aussi quand on gère bien. Quand on est. Ouais, d'accord, c'était ridicule. Quand on est en mode classique. Et qu'on réussit super bien, c'est-à-dire que à partir du niveau normal, on arrive à faire moins de 20 minutes, un truc du genre, je sais même plus. Ou non, de perdre aucune vie et d'être en normal. Sinon, en facile, on ne la rencontre jamais. C'est à partir du normal, je pense. Puis sinon, je vais quitter pour avoir plus de temps. Sinon, pour le grand Bowser, pour rencontrer le grand Giga Bowser. D'ailleurs, si vous avez une action replay spécifique à ce jeu, vous pourrez peut-être diriger Créaman, si ça se trouve, hein, y en a qui arrivent à le faire, mais aussi diriger Giga Bowser. Voilà. Donc voilà, c'est tout. Après le mode aventure. Je pense que le mode aventure, hein, vous allez voir, c'est un mode pas mal, mais moi je vais pas vous le montrer en entier, je vais juste vous le montrer vite fait avec Mario, un personnage très classique. D'ailleurs, si vous voulez un personnage très rapide au niveau pour courir, quoi, c'est Captain Falcon, c'est le plus rapide à la course en tout cas. Sinon, aux attaques, c'est pas du tout le plus rapide, il est plutôt assez lent, enfin ça va quand même. Non, le plus rapide au niveau des attaques, c'est Fox et Falco. Falco, bien sûr, l'un des grands personnages de Star Fox, hein, celui qui est avec Fox, quoi, qui fait partie de la Star Fox, de l'équipe Star Fox. Donc voilà, vous voyez, là, c'est du pur Mario Bros. Là, au début, ils font beaucoup de clins d'œil à plusieurs séries. Ils vont faire après des clins d'œil de Donkey Kong, enfin même si c'est pas des grands clins d'œil, après de Zelda, puis ensuite je crois que c'est de Metroid, et puis voilà quoi, etc etc. Après c'est Kirby, après c'est Star Fox, puis ensuite je crois qu'il n'y a plus rien. Si, il reste Pokémon, là où faut combattre plusieurs Pikachu d'affilée, et en plus il y a sachant qu'il y a 4 Pikachu à chaque fois qui peuvent apparaître à l'écran, non 3 Pikachu qui peuvent apparaître à l'écran je pense, oui. Puis là je me suis mis les vies à l'infini, enfin au maximum, c'est à dire 5 vies, et sachant qu'au bout de quand on perd toutes nos vies on peut quand même continuer, on a un game over mais on peut quand même continuer, mais par contre on perd énormément de points et en même temps énormément de pièces. Les pièces servent à gagner plusieurs trophées sans trop se faire chier. C'est-à-dire on achète juste, je sais pas, on donne 9 pièces par exemple et pouf, il nous donne un trophée. Soit c'est un trophée qu'on a déjà, soit c'est un trophée qu'on n'a pas et qui est super rare. Ça dépend. Plus on donne de pièces, plus on a des trophées. Des trophées intéressants. Mais bon, comme moi, j'ai presque tous les trophées. Et je crois que c'est Cranky Kong qui est derrière. Là. Enfin, je crois, mais je suis pas sûr. L'ombre de Cranky Kong. Bon, je pense qu'il a tombé, voilà. Très très facile, le mode facile. Enfin, c'est normal parce que j'ai mis en mode très facile. Donc voilà, je vous ai parlé de tout. Maintenant, vous allez admirer le combat épique et final de Mario. Enfin, je pense que je vais prendre Mario, oui. Je vais prendre Mario contre Giga Bowser. Mais d'abord, contre Bowser, et après, vous allez voir sa transformation ultime dans le mode aventure. Et là, vous allez voir qu'il est quand même plus impressionnant que dans le mode... que je vous ai montré avant, le mode mission, puisque là il va être beaucoup moins dégommé, il va beaucoup moins voler. Par contre, ce que j'ai trouvé bizarre, c'est qu'il est quand même un peu moins gros dans le mode aventure, mais il est quand même plus fort, vous allez voir.
Donc sur ce, je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures avec Oliver Plasma. Congratulations!